vous aviez dit hier que vous alliez prendre les matchs les uns après les autres. C'est visiblement une bonne stratégie. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment essayé d'être performant point par point. J'ai pas du tout pensé au score. Parce que c'est le genre de match où quand on pense au score, on peut vite se tendre en se disant bah, « je peux gagner ». Et donc du coup, j'ai vraiment joué point par point. J'ai essayé de faire le mieux possible sur chaque instant du match et ça a marché. D'accord. C'est la première fois donc, que vous jouez contre un joueur d'un tel niveau ou alors vous avez déjà eu l'habitude par le passé de vous confronter à des adversaires mieux classés comme lui? Alors la fameuse barre du top 100, c'est la deuxième fois que je joue un joueur dans les 100 premiers mondiaux. Et le premier, c'était qui? Donskoy, j'avais perdu en ayant une balle de match. Donc cette fois-ci, c'est moi qui gagne, donc ça fait très plaisir. Ça s'est joué sur quoi? Quelles ont été les impressions sur le court, notamment dans le deuxième set où les choses se sont accélérées? Je crois que le premier set, ça aurait pu déjà s'accélérer. Je mène avec le break, je me fais débreaker un peu bêtement. J'ai réussi à bien rester concentré et à ne pas céder à la frustration. Et une fois que j'avais pris le premier, ça m'a donné confiance. Et je me suis rendu compte que finalement je pouvais gagner et ça m'a libéré et ça m'a permis de vraiment mieux jouer à la fin. Que vous êtes dit Thierry Kulan avant le match? On s'est pas encore trop vu parce que là il est à l'entraînement avec Laurent donc il me laisse profiter et on parlera de tout ça au calme un peu plus tard. D'accord, oui, vous êtes rentré sur le court finalement sans aucune pression avec pour juste objectif de faire le mieux possible et puis visiblement ça s'est pas trop mal passé. Voilà, j'avais vraiment comme premier objectif, c'est nouveau pour moi de jouer dans des gros tournois comme ça, dans une grande salle. L'entrée sur le court est assez impressionnante, donc j'ai vraiment voulu prendre énormément de plaisir, le maximum sur le terrain, et si la victoire est à la clé, il y a encore plus de plaisir, donc c'est bien. Ce qu'on a vu, nous, c'est surtout une très bonne première. Oui, j'ai pas mal travaillé sur le service dernièrement, donc je crois que ça m'a permis de bien rester devant, vu que j'ai commencé à servir, ça m'a permis de mener pendant tout le match. Donc à partir de là, c'est toujours plus simple de jouer quand on est devant que quand on est mené au score. Et puis athlétiquement, c'est l'air d'aller. Oui, je me sens bien partout, j'ai pas de pépins, j'ai pas de bobos, donc on va essayer de continuer comme ça et faire le même match après-demain. Satisfaisant. Pour vous, finalement, les objectifs de votre carrière? Je mets plein de choses en place dans mon jeu en ce moment, il y a pas mal de changements qui sont en train de s'opérer, donc j'essaye vraiment de le reproduire en match, parce que c'est pas pareil, un entraînement et un match, donc j'arrive à le faire tous les jours à l'entraînement, maintenant il faut arriver à reproduire ce niveau à chaque fois que je rentre sur un terrain pour un match. Ça doit être satisfaisant d'avoir bien géré les points importants, notamment à 5-4 dans le premier, et après tu as bien géré le dernier jeu aussi sur ton service. Ouais, parce que comme je dis, c'est le genre de match où on peut être nerveux, où on ne pense pas vraiment gagner au début, et au final les choses vont vite. Donc je suis bien resté calme et j'ai réussi à saisir mes occasions quand j'en ai eu, donc ouais, c'est bien. Ah oui, c'est un gros tournoi, il y a beaucoup de points à la clé et beaucoup de très bons joueurs. J'ai eu la chance d'avoir l'invitation par la fédération, donc je vais essayer de l'honorer au mieux et de faire tout ce que je peux pour aller le plus loin possible. L'invitation, c'est finalement Thierry qui l'a obtenue parce qu'il connaît bien les organisateurs ici, non? Ça, je sais pas, ça me regarde pas trop, j'ai fait la demande aux personnes concernées et ils m'ont dit oui, donc après, si Thierry a utilisé son influence, tant mieux, je vais pas dire non, mais je sais pas du tout comment ça s'est passé. En regardant la suite du tableau, je me dis que vous pouvez aller en quart. On en est encore loin, mais effectivement, si j'arrive à reproduire un niveau de jeu comme ça, j'ai mes chances sur le prochain tour, oui. Et Paul-Henri, Paul-Henri, c'est... On se connaît très bien en plus, donc depuis que je suis tout petit, c'était un peu un idole, donc ce sera... Si j'y arrive, ce sera très spécial de jouer contre lui. Ouais.